Vous pouvez nettoyer les grilles de vos AirPods 3 et modèles ultérieurs avec de l'eau micellaire et une brosse à poils doux. Voici comment faire. Avant de commencer, vous avez besoin d'eau micellaire contenant des glycérides capriliques ou capriques PEG6, par exemple de Bioderma ou de Neutrogena, d'eau distillée, d'une brosse à dents pour enfants à poils doux, de deux petits verres et d'essuie-tout. Vous pouvez nettoyer toutes les grilles sur le haut et les côtés de vos AirPods. Effectuez 3 passages sur chaque grille avec de l'eau micellaire, puis rincez-les avec de l'eau distillée. Ceci doit prendre environ 5 minutes et vos AirPods doivent ensuite sécher pendant au moins 2 heures. Vous êtes prêts? Nettoyons tout d'abord la plus grande grille. Ajoutez un peu d'eau micellaire dans un des verres. Plongez la brosse à dents dans l'eau micellaire jusqu'à ce que les poils soient complètement imbibés. Tenez votre AirPod avec la grille vers le haut et brossez la grille en faisant des cercles pendant environ 15 secondes. Retournez votre AirPod et séchez-le sur un essuie-tout. Assurez-vous que l'essuie-tout soit en contact avec la grille. Vous devez répéter cette opération 2 fois. Une fois que vous avez nettoyé la grille 3 fois, vous pouvez rincer l'eau micellaire en suivant la même méthode. Tout d'abord, rincez la brosse en la remuant dans l'eau distillée. Répétez ensuite cette opération. Brossez la grille avec de l'eau distillée en faisant des cercles pendant 15 secondes. Et séchez la grille sur un essuie-tout. Suivez la même méthode pour nettoyer et rincer toutes les grilles de vos AirPods. Une fois que vous avez terminé, laissez vos AirPods sécher complètement. Ils doivent sécher à l'air libre pendant au moins 2 heures avant d'être rangés dans le boîtier ou d'être utilisés. Voilà comment garder vos AirPods propres et en état de marche. Pour en savoir plus sur vos appareils Apple, abonnez-vous à notre chaîne YouTube ou cliquez sur une autre vidéo pour la visionner dès maintenant.